lot of original music. And Arjit, all the best to you. I think you have a fabulous voice and give us a beautiful melody. Kya gaya Arjit? Arjit, we love you. It's a Rock On music production. Travel partner Air India. Watching me on MATV. Stay tuned to MATV. You're watching me on MATV. You're watching me on MATV. Le désenclavement de province, une priorité des priorités pour le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabongé, qu'il a inscrit dans son programme de réunification du pays par voie routière. RDC, un pays vaste à la taille d'un sous-continent, ne doit guère souffrir de routes, et le chef de l'État s'y penche. Hier projet, aujourd'hui la réunification du pays par voie routière se matérialise grâce aux efforts du gouvernement congolais qui ne ménage aucun effort pour exécuter la vision du président de la République Joseph Kabila Kabongé. Ici, nous sommes au Kasai-Oriental dans les districts de Kabinda où les tronçons routiers de la RN2 nous amènent jusqu'à Kasongo dans le Maniema. Autrefois un état de délabrement très avancé, cette route d'importance nationale était plus qu'un calvaire pour les usagers. Depuis que nous avons eu le gouvernement, il faut que nous ayons eu le cas, sinon nous avons eu le cas. Nous avons eu le cas. Nous avons eu 24 heures. Donc, ils ont avantagé. Ah, bon, nous avons une semaine. Ah, on a eu deux jours dans le bougement. Pour les lunes, nous avons eu le cas. Nous avons eu le cas. Nous avons eu le gouvernement. Battre prendre paix, Mbujima et Kabinda, ils ont la peine à Nengo Basali. Et en plus de cela, le coup de la zone passe dans le niveau à bac. Ce qui va tirer sur ma canne, c'est à pont. Et ça, c'est plutôt que c'est plein. Pour que mes difficultés à la bac et à Wana. Donc, si vous avez trois camions, vous risquez de vous aller en attendant trois jours. Donc, camion par jour. Camion par jour. Ah, on a ça, vous n'avez pas de camion, vous avez déjà deux jours et à Wana. Il faut battre des charges sur ce point, mon moyen. Pour les gens, c'est la nationale numéro 2. Bon, à Wato Sali, Kobanda Kabinda Ti Kasung, Kole Kaluba Oti Kastosukeli na Kasung, Moussalo Tosali Yango pendant 12 mois, au 12e mois. Bon, Moussalo Tozo Bunda na Bankessement, Nanzelo Tozo Silisango Tozo Sal Excavation. Toujours ça le bombement, il y a banquissement wana. Bon, et puis ma petite yon se toujours lungula, et puis toujours pesanze la forme. Il y a bien pour ata ba machine ata ba tbazo tambula na ba charge na ba vélo, il faut ba tambula lise.
365 km de route de Cabinda dans les Kassai orientales à Kasongo dans les Maniema ont été réhabilités sur fonds propres du gouvernement central et les travaux sont exécutés par l'ONG Action Missionnaire Évangélique au Congo Ameco par la méthode de la haute intensité de la main-d'œuvre immobile, laquelle est essentiellement locale. Avec la pelle, houe, machette, compacteur manuel, les riverains s'approprient pleinement ce programme du chef de l'État qu'ils louent et souhaitent voir pérennisé. Nous sommes tout près de la rivière Lulu. La rivière Lulu, c'est une rivière qui se trouve entre le village Chilomba. Chilomba est au milieu des villes de Mweneditu et le territoire de Lulu, dans le Kassai oriental. Donc, depuis qu'on a débuté le travail, tout ça marche bien. Il n'y a pas le problème de tracasserie ni quoi. Les gens travaillent toujours en forme. Nous voyons que tout ça marche. Si vous avez travaillé, on vous donne l'argent correctement. Nous voyons que ça marche très bien. C'est pourquoi nous sommes en train de continuer avec le travail. Les gens travaillent comme ça, ils trouvent quand même quelque chose, c'est bien. Nous félicitons M. le Président pour l'action qu'il a faite. Même son des cloches pour les commissaires des districts ad intérim de Cabinda, M. Paul Djonga Okanda, qui dit ici la reconnaissance de tout un peuple au chef de l'État. La population est très contente et nous sommes en train d'accueillir tout le monde qui vient du côté de Kasongo, du Bao. Et ils nous racontent qu'ils ont vraiment la chance d'atteindre les centres de consommation, les grands centres, sans problème. Encore une fois, merci au gouvernement de notre pays pour ce souci qu'il a d'aider la population paysanne, d'aider la population qui se trouve dans tous les coins à faire ses achats, à évacuer les produits vivriers vers les centres de consommation. Et même certains produits de Kasongo arrivent dans nos marchés et nous ressentons l'impact de ces travaux de réhabilitation de la route dans notre quotidien à Cabinda. Plus loin, à la rivière Lomami, reliée Cabinda au territoire de Lubao, les deux peuples sont désormais unis grâce à la route nationale numéro 2 réhabilitée par le gouvernement congolais sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabongé. Ces tronçons qui s'effectuaient pendant une durée moyenne de 12 heures est désormais opérationnel à 3 heures du temps. Ici, les échanges économiques vont bon train. Pour atteindre Cabinda, il fallait faire des jours. Actuellement, nous effectuons quelques heures, que ce soit en moto, que ce soit par camion. L'évacuation d'abord des produits agricoles, entre autres les arachides, de l'huile et tout consort, est devenue de plus en plus facile. Et il y a maintenant courtoisie entre deux territoires, celui de Cabinda et celui de Luba. Pourquoi? Parce que les gens se déplacent aisément. Et de même aussi du côté Kasongo, parce que l'entretien ne s'est pas seulement limité au niveau de Luba, c'est voire même dans les territoires voisins. Donc la circulation est devenue aussi beaucoup plus facile entre les territoires de Luba, qui fait limite avec les Maniema, et nos confrères du territoire de Kasongo. Et nos remerciements très sincères sont adressés au gouvernement pour pouvoir nous penser ou nous songer dans cet état des choses. 195 km séparent Luba au territoire du Kassai oriental à Kasongo dans la province du Maniema. Ces deux provinces sont reliées par les ponts Fulai et les fleuves Congo longent ces deux territoires. La méthode à haute intensité de la main-d'œuvre voulue par les coordonnateurs de l'ONG Ameco, Paul Lao pour l'exécution des travaux sur la RN2, est l'une des manières d'octroyer de l'emploi aux riverains dévoués à travailler pour l'avancement du pays. Les projets qu'on nous a donnés en 2013, oui, que nous terminons maintenant, on a engagé plus que 10 000 cantonniers. Nous sommes en train de mettre à la reconstruction du pays des milliers de Congolais et de Congolaises. Okay. Bon, et la troisième chose, c'est qu'on peut travailler avec beaucoup de finesse. Ce qui veut dire que nous attaquons les points chauds, on arrange le profilage à la main. On n'a pas besoin de faire déplacer des montagnes de terre pour essayer d'ouvrir une route. Nous le faisons à la main avec des machines, machettes, avec des haches, et par après, avec les pioches, les houes et les pelles. Les matériaux sont moins chers,
l'argent entre dans les poches de la population pour stimuler l'économie locale. Et à la fin, vous avez une route qui, dans beaucoup de cas, est comparable avec ce qu'on pouvait faire à la machine. Kabinda Kasongo, 365 km de route réhabilitée pendant une durée d'une année et pour un coût global de 3 285 000 $, les Congolais peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. La réunification du pays par voie routière, promesse du chef de l'État Joseph Kabila Kabongo congolais, aucune partie du pays n'est en reste. La route Benadibele, bifurcation RN1 dans les provinces du Kassai occidental et Kassai oriental, a bénéficié aussi d'importants travaux de réhabilitation par la technique IMO. Kananga Benadibele, long de 275 km, fait aujourd'hui la fierté de ses ressortissants. Lodja Lomela, 225 km de route, Benadibele Lodja, 150 km de route ont été réfectionnés. La route nationale numéro 7, reliant les Kassai occidentales à la province orientale, fait désormais peau neuve. La RN1, route d'importance capitale, d'autant plus qu'elle relie 6 provinces de la RDC, à savoir le Bas-Congo, Kinshasa la capitale, Bandundu, Kassai oriental, Kassai occidental et les Katanga, figure sur la liste de routes réhabilitées. Katanga relié au Kassai oriental par la RN1, les tronçons allant de Mweneditu à Kamina, 352 km de long, a subi les travaux d'ouverture. Un miracle certes pour la population de ces coins du pays qui était butée longtemps à d'énormes difficultés quant à l'évacuation de leurs produits vivriers, la réception de la RN1 et la sortie de cette dernière du désenclavement. Et surtout nous sommes très contents parce que la route était vraiment impraticable. Les gros camions qui amenaient des produits vivriers dans les grands centres de consommation vraiment faisaient l'embourbement en cours de route, voire même 5 ou 7 jours. Sans pour autant acheminer des produits vivriers dans des grands centres de consommation. Mais présentement, avec la réhabilitation des routes, alors maintenant le camion arrive le même jour en Bujumaï, ou soit en Mweneditu. Alors c'est un grand geste inoubliable que le territoire de Lulu, la population du territoire de Lulu remercie le président de la République. Comme sous la RN2, la méthode IMO est aussi la bienvenue sur les tronçons de la route Mweneditu Kamina. Ici, même les femmes sont à pied d'œuvre. On ne le dira jamais assez, le désenclavement des provinces pousse la nation au développement car elle favorise les échanges économiques et crée l'affluence des produits vivriers sur le marché et les prix sont réduits à la baisse. Boto bandaki ko salande 3 mois, 2 mois, awa boto bandi ko salande 5 jours, 4 jours to komia. Zela komia bien. Bo, il fallait ye abandaka ko bongisa pona Mokili, il fallait ebandaka ko évoluer. Pona ce qui est azokende ko bongisa biloko wana biso pe to zokende nde ko évoluer. Wane za solo nzele za kimabe. Na mituka pe bandoko maswa wate. Saki bambula mingi to kimagi za to komoke nkana train. Mais awa nzamba sungito bi magi mwene ditu to bi magi dimanche na tongo and to loko talo. Mais ça soki to sale ma izana suivi. Mingi. La praticabilité de la route Kamina reste une fierté pour les ressortissants de ce coin du pays. Célestin Ilunga Lushiwa, commissaire de district assistant, chargé des questions politiques et administratives de Olomami, encourage la volonté du président de la République, Joseph Kabila Kabongé. Il y a quelques temps, les Olomami ne pouvaient plus être reliés au reste des deux provinces, notamment les deux Kassai. Ce programme, nous pensons, qui nous relie pas seulement aux deux Kassai, mais il nous relie aussi entre nous-mêmes, c'est-à-dire notre territoire de Kanyama notamment,
et beaucoup d'autres entités qui ne sont servies que par à cette route d'intérêt national. C'est pourquoi elle est la nationale numéro un. Donc, félicitations, donc, nos remerciements au chef de l'État, son excellent Joseph Kabila Kabange, et nous pensons que ce n'est pas encore fini. La plupart des transporteurs, la plupart des camions pouvaient faire plus de cela, pourquoi pas le double de ces 2 à 3 mois dont vous parlez là, juste sur les tronçons Kamina et le Kasaï. L'impact économique, comme je vous l'ai dit, il n'est pas seulement économique, il est aussi social. L'impact économique, c'est que les opérateurs économiques peuvent facilement évacuer le produit d'un lieu à un autre. Et aussi, du point de vue social, la population n'achète plus un verre de sucre à 1000 francs congolais, un verre de sel à 500 francs congolais. Donc, c'est une route qui a réussi à notre avis, et la population vous le témoignera bien, vous le témoignez déjà très bien. De la population aux dirigeants, tous veulent voir les routes réceptionnées rester en état, et l'office des routes du Katanga, qui loue la détermination du premier citoyen du pays, promet de s'y atteler. Oui, madame, parce qu'il faut retenir qu'il y a plus de 2 décennies que pratiquement les routes, les infrastructures routières étaient abandonnées à elles-mêmes. Donc il n'y avait pas des activités. Mais avec les programmes de la modernité prônés par le président de la République, Joseph Kabila, il y a eu quand même un grand effort qui est fait. Comme je vous l'ai dit, la nationale numéro 1 maintenant, en ce qui concerne les Katanga, nous pouvons partir de Sakania et arriver à la limite avec les Kasaï, qui est le pont Lubilanche. Vous l'avez parcouru de l'autre côté. Donc pour le moment, il y a quand même des efforts qui sont fournis. Pour le moment, il faut savoir que Bukama, par exemple, c'est un point où on fait la pêche. Et pour le moment, on peut amener les poissons de Bukama vers Lubumbashi sans beaucoup de problèmes, parce qu'il faut juste 2 jours pour quitter Bukama et arriver. Et même plus loin, les districts de Olomami, c'est un district à caractère agro-pastoral. Donc pour le moment, on peut quitter Kamina avec la viande, parce que là, il y a la viande qui est plus produite. On peut arriver le lendemain à Lubumbashi, ici, par route. Ce qui fait qu'il y a quand même une grande avancée, une avancée au point de vue travaux d'entretien routier. Nous allons veiller à ce que les équipes permanentes soient placées sur les endroits qui posent problème, les endroits fragiles. Vous avez vu, par exemple, il y a des digues, il y a là où il y avait des grands bourbiers. Nous mettrons des équipes en permanence pour contrôler, surveiller ces endroits et faire attention de sorte que les matériaux qui seront mis en œuvre à ces endroits là-bas soient des matériaux bien sélectionnés, donc les matériaux latériques sélectionnés et compactés. Donc il faut la surveillance et tenir compte de la qualité des matériaux à mettre en place. Je pense qu'avec ça, nous pouvons assurer la praticabilité de la route même pendant la saison de pluie. Exécuté par l'AMECO pour une durée d'une année, les tronçons Mweneditu Kamina, long de 352 km, a coûté 3 168 000 dollars et le financement est totalement congolais. Réunifier le pays par voie routière, clé du développement d'une nation, le chef de l'État Joseph Kabila Kabongé en a fait son cheval de bataille et la situation sur le terrain démontre que le pari est en train d'être gagné. La réunification du pays par voie routière, une vision à la hauteur du pays. Hidalgo séjourne à Kinshasa depuis ce mardi 4 novembre. Le maire de Paris est venu présider les travaux de la 34e Assemblée Générale de l'Association Internationale des Maires Francophones dont elle est présidente. Comme c'est plein de premières fois, j'ai fait un vœu en arrivant
un vœu pour nos travaux, pour notre belle association de maires francophones. Je suis très heureuse d'être à Kinshasa, d'être accueillie par le maire, gouverneur de cette ville. Et on va poursuivre ces travaux pendant les journées qui viennent. L'AIMF est une très très belle association qui porte beaucoup de projets, des projets concrets. Et je crois, comme beaucoup, qu'une grande partie du développement du monde va se passer ici, en Afrique, et notamment dans ce grand pays qui est la République démocratique du Congo, et ici à Kinshasa. J'ai eu une très belle impression en arrivant avec un très beau ciel et un très beau coucher de soleil, très très rouge, qui était magnifique. Et donc j'ai hâte maintenant de pouvoir aussi découvrir la ville. André Kimbuta, le premier d'entre les Kinois, se dit très honoré par la présence de Anne Hidalgo dans la capitale congolaise. Masoleza malamu, boyebike association wana etongela bino hôpital bana ngiringiri bana bumbu, boyebiango association wana etongela bino maison de savoir, sugope aye po totala pe ba projet mususu o bana yichasa bakongi ko sepela rango. Donc to pesi merci mingi na mokonzo moka président Joseph Kabila. Grâce à Kimia, donc merci mingi na bakinois na bakinois. Le programme de Madame le maire de Paris prévoit une visite au centre hospitalier d'État de Ngiringiri et une rencontre avec des femmes leaders. Elle rentre à Paris le jeudi 6 novembre après la cérémonie de clôture des travaux de la 34e Assemblée générale de l'AIMF. C'est sur les travaux de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones que le soleil s'est levé ce lundi 3 octobre sur le Grand Hôtel Kinshasa. Les maires des villes venues du monde francophone, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur du Sud Kivu, les députés provinciaux, les bourgmestres, des personnalités remarquables du monde scientifique ont pris part au lancement des travaux des colloques préliminaires à la 34e Assemblée générale de l'AIMF. Les participants plancheront sur trois thèmes, à savoir villes et migrations internationales, le dialogue entre autorités locales, l'Union européenne et autres partenaires, et enfin les villes et la lutte contre le changement climatique. Pour André Kimbuta, gouverneur de Kinshasa, les participants devront rentrer chez eux plus informés et plus motivés. Mon vœu le plus profond est que chaque participant à ces travaux puisse, à la fin de ceux-ci, repartir plus enrichi, mieux informé et davantage motivé. La cérémonie a également connu une communication spéciale du professeur Jean-Jacques Muyembe sur l'épidémie d'Ebola. L'épidémiologiste congolais rassure qu'à Kinshasa, ce virus n'existe pas. Oui, c'est sûr, hein, le virus Ebola n'est jamais arrivé à Kinshasa. L'ouverture terminée, les participants ont directement planché sur le premier thème, villes et migrations internationales. Pour le professeur Aliousso, la création des centres culturels urbains est d'une importance capitale. Un centre francophone des cultures urbaines, où on pourra trouver toutes les informations relatives à l'évolution des villes, au patrimoine historique de ces villes-là, aux relations de partenariat entre ces villes du pays et les autres villes du monde francophone. Cela pourra aider, pourra aider tout le monde à ne pas tomber dans le piège des préjugés. Une ville qui bouge et qui se développe, Kinshasa a fasciné ses visiteurs. Kinshasa, c'est une ville que je connais. C'est une belle ville, une belle et grande ville. Donc je me sens chez moi. Très belle ville. Très belle ville et surtout les routes sont magnifiques. En dépit des fausses informations sur la présence du virus Ebola à Kinshasa, la présidente de l'AIMF, maire de Paris, a contre vents et marées maintenu l'organisation de la 34e Assemblée générale de l'AIMF à Kinshasa. Un courage salué.
La 34e Assemblée générale des maires francophones aura été une opportunité offerte aux villes de s'approprier et consolider les valeurs que prône l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Déclaration du président Joseph Kabila à la clôture de cette grande manifestation qui réunissait plus de 100 maires francophones. Le chef de l'État congolais, président en exercice de la francophonie, a souligné la disponibilité de son pays dans la lutte contre le changement climatique ainsi que la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Plus de 2 millions de dollars américains vont être décaissés par l'AIMF au profit des projets en rapport avec la santé et la jeunesse dans les villes congolaises. Bien avant, le maire de la ville province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a salué les efforts entrepris par le chef de l'État, Joseph Kabila, pour la restauration de la paix, sans laquelle cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Pour sa part, le représentant d'Abdou Diouf a rendu hommage à la mégalopole avant de demander au pays membres de l'OIF de promouvoir les valeurs de démocratie et de bonne gouvernance. Madame Hidalgo, maire de Paris qui a été réélue présidente de l'AMF, a souligné que la prochaine rencontre se tiendra à Tunis. Et vous le savez, le président en exercice de l'Organisation internationale de la francophonie, Joseph Kabila Kabangé, s'est réjoui des résolutions optées lors de cette 34e Assemblée générale de maires de la francophonie. Pour l'occasion, Joseph Kabila Kabangé a vanté l'expertise de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les virus Ebola. Je vous propose de suivre ici un extrait choisi pour vous par Séverin Bamani. Une opportunité offerte aux villes francophones de s'approprier et de consolider les valeurs universelles que prône l'Organisation internationale de la francophonie et que véhiculent les entités locales que vous représentez à travers l'Association internationale des maires francophones. En témoignent les différents thèmes retenus et débattus lors de cette Assemblée générale. En effet, la lutte contre le changement climatique, la problématique des financements internationaux ainsi que la résolution des problèmes liés aux migrations de populations sont des questions d'actualité qui interpellent la conscience de chacun dans la gestion quotidienne de nos villes. Je ne doute pas que vos délibérations, les recommandations subséquentes, ainsi que vos efforts dans leur mise en œuvre, contribueront à l'amélioration de la vie et du bien-être de nos communautés. Et je me réjouis par ailleurs de ce que vos assises ont accordé une attention particulière au fléau de la fièvre hémorragique causée par le virus Ebola. Mon pays a certes réussi à circonscrire et à maîtriser ce virus, mais il demeure solidaire des différents pays touchés par ce mal. Je réitère donc l'engagement de la République démocratique du Congo de continuer à offrir son expertise dans la lutte contre cette pandémie partout où elle se déclare. Retour sur un événement de cette 34e Assemblée générale de maires francophones, celui concernant bien sûr l'évolution de l'épidémie du VIH-Sida qui a été relevée lors de cette rencontre. Et c'est la conseillère du directeur exécutif de l'ONU-Sida, le docteur Merskerem Bekele, qui a interpellé donc tous les maires de l'espace francophone à pouvoir faire attention face à cette situation du virus du Sida. Récoutez Bobo Mungongo dans ce reportage. Invité à contribuer aux travaux des 34e Assemblée générale de l'Association des maires francophones, le docteur Merskerem Bekele Grunyiski, conseillère du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a axé son intervention sur les combats que doivent livrer les villes face à l'épidémie du SIDA pour l'avenir de la santé et les développements humains.
L'ONU-SIDA vous invite à œuvrer dès maintenant en faisant vôtre la déclaration de Paris qui sortira après le lancement de l'initiative le 1er mai et vous engager à mettre fin au SIDA dans vos villes d'ici 2030 et d'utiliser la réponse du SIDA comme une porte d'entrée pour une transformation sociale plus large. Du docteur Mestire Mbekele qui a félicité les bureaux de l'AMF et les comités d'organisation pour la qualité. Et cette édition de Kinshasa a conclu son message en interpellant les dirigeants des villes sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la lutte contre le VIH-SIDA grâce à un leadership fort pour le changement social et le développement. Un grand pays se réveille et offre un cadre propice aux investissements dans un climat des affaires attractif, sécurisé, en conformité avec les standards internationaux et l'OADA. Un guichet unique permet la création d'une entreprise en 3 jours. L'impôt sur les sociétés est réduit. Un nouveau code du secteur minier, des douanes, des investissements et un pacte anti-corruption sont en vigueur. Une économie prometteuse, le taux de croissance